ça fait du bien. J'ai un peu froid quand même. J'ai mis, je vous cache pas, j'ai mis le pull, mais avec le, évidemment la protection dorsale, épaule, coude et tout ça. Comme ce que j'ai mis pour mon accident. Parce que j'ai entièrement confiance, franchement, pour un, entre guillemets, un choc, entre guillemets, comme ça. Bah, à part mon cul, mais mon cul, forcément, ouais, c'est lié au jean, donc bon, voilà. Hein. Mais pour le haut, ça fait très bien le taf, franchement. Yes. Ouais. Allez hop, c'est parti. Il y a un beau temps, honnêtement, un beau ciel bleu, faut regarder. Enfin, franchement, en décembre, très fin décembre, presque janvier, on est en hiver à Nantes. C'est quasi exceptionnel. Accessoirement, on va vous parler de deux sujets. Trois, quatre. Donc oui, le premier, c'est si j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, sorry. Je vais vous expliquer très vite fait, hein, parce qu'honnêtement, c'est pas le sujet de la vidéo. Le premier est que, comme il y a eu le confinement, la fac est en public, l'organisation vaut à peu près la bulle, zéro. Donc bah, j'ai pas du tout, ils nous ont tout fait rattraper d'un coup, on a eu des projets à faire en une semaine, enfin, des comptes rendus, des... ça voulait rien dire, on faisait... on devait pas aller à la fac, mais on faisait 8h-18h de TP. À la fac, donc ouais, bon bah le confinement voulait absolument rien dire pour nous, enfin du moins dans ma classe. J'ai géré mes parcelles de ouf, genre voilà, mes comptes rendus, mes TP, mes projets, tout, donc on vise les petites mentions. Je suis encore désolé, hein, parce que franchement, youtubeur de 115k qui sort même pas une vidéo en un mois, je suis vraiment la reine des... J'espère que ça vous a pas trop saoulé ou que ça s'est pas trop remarqué. En mode, bah, vous vous êtes pas dit, oh tiens, mais le mec sort pas de vidéo. Comme ça réduit un peu le carnage. La deuxième est, je sors mes vidéos le samedi. Actuellement, on est le 29. Ce qui veut dire que samedi, on sera plus que le 31. Et donc, qu'on sera en 2021. L'année du... on sait pas encore. En tout cas, ça peut être que mieux que 2020. Inch'Allah, hein, comme on dit. On va être content de passer à 2021. Mais bon, il y a encore rien de sûr parce que ça peut être pire. J'espère que bah voilà, vous commencez 2021 comme il faut, que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, du coup. Un bon nouvel an à alcooliser ou pas. Mais bon, on sait bien pour beaucoup que c'est alcoolisé. Je voulais vous parler de mes pneus. Parce que bon, ça fait longtemps que je les ai changés. Gros, vas-y. Pas de soucis. Tu vas pas rester sur le zébra 30 ans. Ça fait longtemps que je voulais changer mes pneus. Je partais au début sur des Pirelli Rosso 3, après les Michelin, c'était les Road 4 à l'époque, les Road 5, je suis pas sûr qu'ils étaient sortis, comme quoi, ça fait longtemps. Mais voilà, j'ai eu mon accident et j'avais demandé un petit partenariat avec BIHR, B-I-H-R. Très sympa, franchement, un régal. Du coup, j'ai eu une petite paire de pneus avant-arrière, il y a environ un an, à peu près. Donc j'avais demandé les Rosso 3 parce qu'ils correspondent bien à mon conduite. D'ailleurs, je fais un petit point dessus. Prenez des bons pneus. Je sais qu'une bonne partie savent ça. Genre, vous savez que, bah voilà, surtout en moto, mais même en voiture, mais surtout en moto, vous avez que deux pneus. C'est les seuls points de contact avec la route. On vous l'a suffisamment répété au permis. Et donc, oui. Je reviens au sujet. BIHR m'avait proposé, m'avait plutôt conseillé, entre guillemets. Parce que moi, je suis quelqu'un, habituellement, qui roule vraiment l'hiver, l'été. Et c'est encore le cas, vu que j'ai toujours pas mon permis voiture. Comme j'ai que ma moto, je roule moins l'hiver. Parce que maintenant, je prends plus les transports en commun. Mais je roule l'hiver. Et du coup, il me faut des pneus qui roulent vraiment bien. Et je roule sur verglas, sur pluie, sur neige, sur tout, en fait. Et donc, il me faut des bons pneus. Donc, je partais sur les Rosso 3. Qui tiennent vraiment pas longtemps, d'ailleurs, accessoirement, faut le dire. Et du coup, le monsieur à qui j'ai parlé, qui gère BIHR France, m'avait proposé plutôt les Continental Road Attack 3, qui est une nouvelle technologie sans paraffine, si je me trompe pas, comme certains nouveaux pneus, comme les Road 5, je crois. Donc technologie sans paraffine, ce qui est cool, c'est que du coup, tu mets pas 100, environ 100 km à les déroder, tu mets quoi, 2-3 km quand même, et puis, puis basta, c'est fini, quoi. Et donc, je suis son conseil, ce que t'as eu, moi j'écoute les gens. Et franchement, étonné. Genre, bah là, du coup, depuis que j'ai eu mon accident, pour ceux qui ont vu, moi, je pense que vous avez principalement vu, parce que, évidemment, c'est une vidéo accident et ça fait des vues. Je l'ai rechangé parce que je l'ai explosé en tombant. Voilà. Donc, ils m'en ont réenvoyé une nouvelle paire au niveau du pneu avant.
Et c'est juste monstrueux, genre c'est nickel, genre je perds pas d'appui. Bon, aujourd'hui on va livrer le pneu avant et le pneu arrière. Il y a qu'en Espagne qu'on voit ça, mais non, il faut que je le fasse aussi à Nantes. On va livrer les pneus, je vous en dis pas plus, mais c'est agréable putain de conduire comme ça, tu poses ton bras, t'es au calme. C'est trop agréable. Maintenant je vais conduire tous les jours avec les pneus autour de moi. Je vois les gens dans leur voiture sourire. Eux ils sont pas mal. Ouais, c'est sûr. Voir si ça bouloche à 200 au virage. Oh mon pneu avant, mon pneu, mes deux pneus. Fais gaffe avec les pneus neufs, hein. Ouais, pneu tout neuf. Et là, c'est toi, hein. Pourquoi? Bah, ça glisse, hein. Ah bah oui, mais il y a pas de paraffine sur ceux-là, je crois. C'est une nouvelle technologie. Non mais ça change rien, il faut quand même les faire, mais. Je sais pas. Ouais, c'est un peu, c'est moins glissant. Ouais. Ah ouais? Tu t'étayes mes propos du coup? Effectivement, tu sens la paraffine qui est là. Ouais. Mais elle est moins glissante. Ouais, elle est moins glissante. Oh ouais, là clairement oui. Ah ouais, là c'est même rugueux, quoi. Ouais, je vais voir si mes nouveaux pneus ils marchent pas trop mal. Ça fait quand même un peu longtemps que je les ai, mais justement c'est pas plus mal pour avoir confiance et donner un avis juste. You see, so great, I can't believe if you want to come on a friend. Alors c'est pas une grosse vidéo, hein, principalement c'est pour vous donner un peu de mes news, parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vous assure, il y a beaucoup de vidéos qui sont en pensée ou en tournage entre guillemets, où voilà, j'attends les conditions un petit peu plus temporelles. Ou même des conditions qui se réunissent avec des potes par exemple. Donc je suis pas inactif, je vous assure. C'était entre guillemets ma pause de vacances, hein, appelez ça des vacances. Mais je reprends plus fort que jamais, t'as eu. Un petit peu moins blessé encore d'ailleurs par rapport à mon accident. Ceux qui posent la question, ça va, vous inquiétez pas, je vais bien. Je vais bien avec l'accent du sud, ça veut dire que je vais pas bien. Et oui, pour vous parler de mes pneus, franchement cet été je t'ai fait du côté de... Que je t'ai fait déjà. Corcoué. Pour ceux qui habitent Nantes, je pense que ça doit vous parler, il y a quand même pas mal de courbes. J'ai pas posé le genou parce que de toute façon j'ai pas de truc pour poser le genou. Mais j'avais plus du tout de bande de peur. Et donc comme quoi ça veut dire que bah mes pneus c'est pas dégueu, sachant que je suis vraiment pas un pilote ou un motard, voilà. Mon but c'est pas forcément de poser le genou, tout ça. J'en fais pas tout un foin, j'en veux pas qui a la plus grosse paire de couilles parce que j'ai plus de bande de peur. Juste, ça veut bien dire que les pneus c'est vraiment important. Avec mes anciens, fallait une plombe pour les chauffer et tout. Là franchement, impeccable. C'est des pneus qui correspondent à ma conduite. Bon allez, la vidéo est bientôt finie, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Mais attendez, j'ai lancé sur Twitter un petit montre Tabrel sur Twitter. Donc le hashtag c'est tout simplement montre Tabrel. Voilà, pas plus compliqué. Si vous voulez me mentionner, vous pouvez. C'est tout simplement @mainbikeoffi sur Twitter. Et voilà, je vais faire une petite vidéo un peu en regardant vos brels. Pour ceux qui ont des brels originales, des brels puissantes, des brels Jacques Brel. Ok, j'arrête, je ferme ma gueule. Mais voilà, n'hésitez pas à participer. Je vous mets un petit exemple actuellement là en photo que de ce genre, ce que je veux, genre en mode mettez-moi genre une petite histoire ou éventuellement les modifications, prenez une photo, mais mettez également éventuellement une vidéo du bruit, genre voilà, un truc que ça soit intéressant, assez beau à regarder, et puis je regarderai ça avec vous entre guillemets en vidéo YouTube. Et puis voilà, pour ceux qui ont des brels sympas, ça peut être l'occasion de vous mettre en avant votre Instagram ou autre. Donc bah voilà, c'est l'occasion, n'hésitez pas. Je vais vous laisser sur ça. J'espère que vous avez passé du coup de bonnes fêtes de fin d'année, autant le nouvel an, parce que du coup, pour vous, ça, c'était il y a 2 ou 3 jours. Bon allez, je vous laisse. GoPro, arrête la vidéo.